Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'automne et on va faire le test Matcha Made in Heaven. Vous devez utiliser une Nissan ou une Datsun réglée en maximum B700, remporter le championnat en équipe contre des drive-atars imbattables. Comme voiture, j'ai choisi la Nissan 370Z de 2010. Elle coûte 40 000 crédits au salon de l'auto si vous ne l'avez pas. Avec le réglage B700PR Stunts et le code 4 7 1 8 5 6 7 5 6 4 7 1 8 5 6 7 5 6. C'est parti pour le test. On prend notre 370Z modifié en B700. Je vous rappelle qu'il faut jouer en équipe. C'est l'équipe qui marque le plus de points qui va gagner. Chaque fois que vous finissez devant un drive-atar, vous gagnez 100 points par drive-atar. Ça va au meilleur des deux manches sur trois. Et c'est l'équipe qui a le plus de points collectivement qui remporte la manche. Donc ne poussez pas vos coéquipiers et compagnie. Laissez-les passer. Si un gars va plus vite que vous, il va plus vite que vous. C'est pas grave. Le but, c'est de finir devant l'IA. Vous marquez des points en finissant devant l'IA. Et c'est parti. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il y a déjà deux joueurs qui sont devant. C'est bon signe. Ça devrait être assez facile. Aïe, aïe, aïe. Faites attention au freinage ici, hein. Je l'ai complètement loupé. Bah, c'est pas si mal. J'étais cinquième, je suis troisième. Quatrième. Aïe aïe aïe, un peu la catastrophe là, ne ratez pas ce freinage, ça va vous coûter cher. Toujours quatrième, c'est pas trop trop grave. Vous voyez, j'essaye de pas le toucher, j'essaye de pas le pousser. Bon, si je lui fonce un peu dessus, ce sera sans le faire exprès. Bon, on peut simplement assurer la place, hein. 2050, c'est cool. Pas besoin non plus de prendre trop de risques. Et je rate le truc, ça y est. Moi, j'étais en train de parler pour ma défense. Ben voilà, je me retrouve tout au fond. Et maintenant, on risque même de perdre. Et ben voilà, et c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Ça, c'est ce qui arrive quand on fait pas gaffe et qu'on parle au lieu de freiner. Et ben voilà. Je devrais presque le faire sans parler en fait. Moi, je crois pas que c'est récupérable, mais bon. Non, c'est pas récupérable. C'est dommage. C'est dommage. Si j'avais pas raté la porte, on aurait gagné. Il reste plus assez de temps pour rattraper l'IA, hein. C'est dommage. Bon, c'est ma faute. Mais on a gagné quand même. Ah oui, ça, faudra qu'on m'explique. Ok, très bien, magnifique. Bon. J'ai peut-être mal vu, je regarderai au montage. J'ai peut-être mal vu, j'ai peut-être confondu les deux équipes. Bon, ben on a gagné. C'est très bien. On va essayer de faire une course un peu plus propre pour la deuxième et pas rater de porte. Ça commence déjà très fort de nouveau.
Alors, si vous êtes déconnecté ici entre les deux courses, ça arrive encore, j'ai eu des messages la semaine passée. Redémarrez votre PC, redémarrez votre console, hein. Ne réessayez pas à chaque fois de faire le test. Vous serez, je pense, déconnecté à chaque fois entre les deux courses, hein. C'est un bug qui existait avant, qui avait été résolu. Apparemment, il est de retour de nouveau. Donc, à ce moment-là, redémarrez votre PC, redémarrez votre console et réessayez. Parce que si vous essayez tout le temps sans redémarrer, vous allez tout le temps être déconnecté. Enfin, c'est ce qui m'arrivait avant, hein. Donc, maintenant, peut-être pas, mais ça vaut la peine de redémarrer. Allez, on va essayer de faire un petit peu mieux. Ça va pas être très difficile. On laisse passer les petites voitures qui vont plus vite. Voilà. Et on essaye surtout de pas rater de porte. Ah, l'arbre, l'arbre, l'arbre! Oh, l'arbre! Oh, ouf! Ça s'est pas joué à beaucoup là, hein. J'ai failli enchaîner les deux arbres. Faites attention, les amis, il y a des arbres partout, ils sont pas gentils. Hop là, lui aussi dans les arbres. Terminé. Lui aussi. Et vous voyez, ça pousse, hein. On est premier. On devrait essayer de consolider et de garder nos points, mais non, hein. On essaye de pousser les gens, c'est bien plus intelligent, bravo. Lui, il commence à me saouler, hein. Dégage. Voilà. Ça te fera les pieds. Et si on perd, je m'en fiche, quoi, mais j'en ai marre, quoi. J'en ai marre d'être gentil. Vas-y, tu peux passer. Pas de soucis. Peut-être qu'il aura compris, hein, qu'à force de pousser les gens, on le pousse dans un arbre. Je sais pas. Mais je pense pas, je pense même pas, quoi. Alors j'aime pas faire ça parce que c'est pas montrer le bon exemple, mais il y a des fois quand même, trop c'est trop, quoi. Hein. En Belgique, on dit trop is te veel. Trop, c'est du français, te veel, c'est du néerlandais. Je l'ai plus revu avec son taxi, hein. Aïe, 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 aïe. Ah, ça, c'est pas trop grave. Ça aurait pu être pire. J'essaye d'empêcher l'IA de passer. Vraiment, l'IA, vraiment, qui me colle, hein. Ouais, bah y en a un qui a raté une porte, je crois que c'est cuit. Faut pas que je me laisse dépasser, sinon c'est foutu. Allez, j'essaye de les bloquer. On est presque arrivé. Ça va le faire tout juste. C'est pas le moment de faire une bêtise. Comme à la première course. Et voilà. C'est très bien. Parfait. Et on gagne vraiment d'extrême justesse, hein. Bon, c'est un peu ma faute parce que j'avais envoyé l'autre gars avec sa Datsun dans l'arbre et il a fait 0 points. GSS Ghost Rider là. Celui-là, je vais le ban, quoi. J'en avais marre qu'il pousse le premier et qu'il me pousse aussi. Il poussait vraiment au lieu de garder les positions pour marquer des points. Quel ab... Non, je vais rien dire. Ça finit par comme arbre et ça finit par uti. Comme uti. Comme cuti. Et voilà. Le test est remporté. On obtient la Nissan GTR et c'est parfait. Et voilà, un match à Made in Heaven est terminé.
Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.